Étant assis dans un resto à la place pour discuter affaires, tout un groupe d'amis tombe sous le charme d'une femme plus que rayonnante, mes chers. Bonsoir, très chers internautes. Je vous laisse découvrir ce qui est vraiment le coup de foudre. Vous êtes un habitué de la maison Art Connexion. Vous avez une philosophie poétique bien tranchée, soufflée pour le renouveau, couplée le verbe et la plume pour avoir du beau. Est-ce que cette philosophie poétique définit réellement toute la poésie du groupe? Soleil, merci d'abord et ça fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. Et comme vous l'avez souligné, je suis un habitué ici et je vais en profiter pour saluer les internautes qui vous regardent. Donc voilà, moi c'est Baba Karizé, poète slammer et voilà, artiste au sein du groupe 7A. Et comme vous l'avez dit, j'ai tendance à définir ma poésie comme insuffler du bonheur, souffler pour le renouveau et surtout coupler le verbe à la plume pour avoir du beau. Écoute-moi bébé, ils ne sont que des abrutis, des mythomanes. Je suis l'homme qu'il te faut, Baba Karizé, je me nomme ton futur superman. L'amour n'a pas de prix, mais je lésine pas sur les moyens. Pas un investissement de sentiments. Moi j'ai du pognon. J'ai de l'argent, je suis beau et toi tu es canon. Je suis galant, je vois que t'es collante, mais rassure-toi, j'ai 1 milliard de câlins. Dulciné, formons le couple idéal, le couple mignon. Rôle-moi s'il te plaît. J'aime quand tu me regardes avec ce petit sourire au coin de tes lèvres. Il fait froid en ce moment, mais te contempler me réchauffe déjà le cœur. À vrai dire, tu m'as donné l'envie, le goût et le plaisir d'aimer à nouveau. Tu m'as donné la force et le courage d'oublier mes précédentes déceptions et d'aimer à nouveau. Si fort que je t'aime, si je t'aime plus fort, c'est que bébé, mes ex n'ont pas encore ton niveau. Voix frêle, sourire de Michel, lèvres aromatisées de miel, belle, naturelle. C'est toi que j'attendais, charmante demoiselle, dans Baba Karizé. Maintenant, est-ce que ça définit l'objectif du groupe? Donc, je ne vais pas dire oui, parce qu'on fait de la poésie et chacun a sa manière de faire sa poésie, chacun a sa manière de s'exprimer. Mais je pense quand même qu'on a des objectifs qui sont un peu communs et je pense que c'est là que la réponse va être pertinente. Et raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire insuffler du bonheur, souffler pour le renouveau, coupler le verbe et la plume pour avoir du beau. Donc l'objectif ici, il y a la beauté qu'on essaie de véhiculer à travers la poésie, mais aussi il y a ce qu'on appelle coupler le verbe et la plume. Donc c'est ce qui fait même la beauté et le charme de l'art qu'on fait, qui est le slam. Fadel, vous êtes un groupe très connu de la banlieue, le 7A, un groupe qui fait du slam. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'histoire, le nom du groupe? D'où est-ce que ça vient tout ça? En fait, d'abord je vais devoir saluer tous les internautes qui nous suivent à travers la chaîne. Elle est pleine d'atouts. Je préfère lui parler d'amour, lui parler de tout. Je t'emprunte ta plus belle plume pour te décrire, te chanter. Pour te chérir, te combler, t'aimer, te rêver, ma flamme jumelle belle, m'abreuver de ce sourire qui nous laisse scotcher, ce regard qui éveille et merveille, qui fait chavirer nos cœurs aux instants où bat-il à la chamade. Un conquérant me ferai-je, ce pèlerin je serai, un nomade pour ne jamais m'arrêter, de visiter les coins et recoins de ce joli corps. Je te promets que la nuit, ça sera du hardcore à l'aube. Ça sera des mots qui font l'amour aux oreilles. Alors moi, dans les sentiers du poète, éclairé par ton éclat soleil, je dirai à mes potes que t'es puissance, à mes parents que t'es essence, à Dieu que t'es jouvence, à laquelle j'aimerais au gré du mariage déposer ma digne semence. Revenir sur l'historicité du club, ça sera un grand plaisir dans la mesure où le 7A a trouvé essence dans une idée collective entre des clapiens du lycée Sénat et Sarou Roulaye. L'objectif était d'organiser la nuit des rires et des dires. Et à travers cette organisation de cette nuit, il y avait 7 artistes dont chaque artiste, le nom avait cette lettre qu'est la lettre A.
Du coup, on a regroupé les 7 A pour dire 7 A. Voilà. Et au-delà de cette nuit des rires et des dires, ces artistes, en effet, étaient des poètes. Mais le groupe était beaucoup plus élargi parce que cette organisation a été anticipée. Et après ça, c'était la première édition qui a été d'une réussite extraordinaire, si je puisse le dire ainsi. Et après, on a créé le mouvement 7A, le collectif, et on a essayé d'élargir un peu plus le groupe. D'autres personnes sont venues s'insérer, adhérer au collectif. Il y a les Dolé, les Moustapha, les Babacar, CSK, tous les autres. En fait, on était tous dans le même club, le CLAP, Club de littérature, d'art et de la philosophie. Le slam s'est beaucoup plus ancré dans le collectif. Après, on a essayé d'aligner art et social. On a fait un don dans l'orphelinat qui se trouve au parcelle. L'orphelinat Saint-Salumbake, excusez-moi. L'orphelinat Saint-Salumbake, ça c'est le côté social. Et d'ailleurs, vous avez un autre projet social, si je ne me trompe pas. Exactement, on a un autre projet social, celui d'organiser un ogou dans un daïra au niveau du parcelle 1-3. Et que dont on est dans l'organisation même actuellement, et nous appelons toutes les bonnes volontés par la même occasion qu'ils puissent nous apporter leur humble aide pour la réalisation de cette action sociale. Mais le groupe 7A, comme vous l'avez dit, est extrêmement connu au niveau de la banlieue. Et cela, c'est le résultat d'un travail intensif, parce que les gens n'ont pas mis la main à la poche. Ils ont bossé assez dur et extrêmement bien. Du coup, cet art, on espère le faire connaître un peu plus à la population sénégalaise, parce que le slam est un art assez méconnu de la société. Et du coup, on va continuer le travail en tout cas. Merci. Djongoma, ne te pose plus de questions, j'ai la réponse à tes interrogations. Suis-moi, à ton arrivée, de vraies choses vont se passer. Toi-même, tu ne pourras t'en passer. Je crois que le froid va me passer lorsque tu commenceras à me caresser. Tes épaules vont frissonner, tu entendras de petits sonnets. Tout ton corps sera étonné par cette chaleur donnée. Suis-moi avec ton corps de rêve et j'en ferai ma trêve. Tu seras ma Ève, tu seras mon rêve. On s'inondera le corps de caresses. Sur nos lèvres, ça sera une vraie kermesse. On s'entremêlera telle une grande tresse, et le rythme sera très lent, telle une paresse. Le périmètre de tes seins sera ciblé, et là, tes cheveux vont trembler. Tu en pousseras des cris comblés. Donne-moi ton cœur et je serai ton atout. Djongoma somo djoxe soxol doto ko rich. Somo wedi lajal ni jota ñam dolchu. Le slam de 7A, c'est un slam différent de ce qui se fait de nature. On dit que vous voulez être simple poétiquement. Pourquoi cela, en fait? Ouais, je pense bien que ni pour répondre lol non dina yomb parce que xeyna ñu bari mën nañ ko gissé autrement, mais li tax ñukoy def c'est simple parce que tay suñu public, la majeure partie suñu public ni ay xalé lañ ni ay mag lañ, te slam don na lo xamné peut-être zone bi ni xamuñ ko bu baax. Légui on s'est dit que ni pourquoi pas ñu def ko lo xamné day simple, li nga xamné day accessible à tout le monde, ñu oyofal ko rek ba nga xamné ñepp dañ ci mëna yegg seen bop muy xalé muy mag. C'est simple, lol non kasse la, en grosso modo. Jacob, je reviens sur une question de fond réellement. Est-ce que le slam c'est un peu du sourap? Est-ce que réellement c'est ceux qui ne sont pas talentueux qui font du slam? Je repose ma plume pour saluer tous les internautes de Zamzam TV. Je reprends ma plume pour slammer cette lune, celle qui au féminin, raison pour laquelle il n'y aura pas de fin. Quand je slam sur la troisième personne du singulier, cela marque un refrain particulier. Celle que je surnomme ma elle, elle est ma belle, dans une label, faite toute belle. Ce que je ressens pour elle, se rebelle sur l'échelle des belles, sans tenir compte des chandelles. Elle est sur la liste du cœur, ouais, elle occupe la magie du cœur. Penser à toi me rappelle ce à quoi je me rappelle. Dites, tu y es toute belle. Pour tout simplement rebondir sur ta question, je veux dire que moi je ne peux pas considérer le slam comme un sourap, c'est-à-dire que là, les méthodes diffèrent. Là, le slam a ses règles,
même le rap aussi. C'est-à-dire que le rap peut être, on peut considérer le rap comme étant un art oratoire dont les rimes sont importantes, c'est-à-dire que là où le slam, c'est-à-dire que ça mélange, il y a un mélange d'émotions qui se, c'est-à-dire les adjectifs qualificatifs qui se mélangent avec le slam, c'est pas pareil que pour faire du rap. C'est-à-dire que pour faire du rap, on a déjà une ambition, c'est-à-dire que de marquer les pas, de marquer les mots. Mais là, pour le slam, c'est-à-dire que de semer l'émotion à travers nos paroles, nos mots, c'est-à-dire qu'il y a toujours, quelque chose qui se mélange avec le slam. Et on sait un texte poétique, comme on a l'habitude de le dire, l'esprit nous trouve toujours dans nos lits. Soudain, une idée surgit d'on ne sait où, s'incruste à nos esprits et ne nous repousse pas. Alors ensuite, on se rassoit, s'empare d'un papier et d'un abord notre plume. C'est-à-dire que c'est l'inspiration d'un slamon est différente de l'inspiration d'un rappeur. Un rappeur s'inspire à travers sa situation, à travers sa communauté, pour ainsi dégager ses opinions envers son art. Mais maintenant, pour revenir sur le slam encore une fois, c'est un art doux, ça relève tout simplement de l'art révolte. Wankem, yo, artiste, tu es un artiste qui a récemment intégré le groupe 7A, un groupe de slammer. Mais toi, tu es un artiste, musicien et surtout rappeur. Donc, quelle influence musicale réellement peux-tu apporter au groupe, tu penses? Eh bon, avant tout, je profite de cette occasion pour saluer les internautes et aussi vous remercier vous-même de m'avoir invité dans votre émission. Donc, j'ai adhéré le groupe 7A, qui est un groupe qui se véhicule dans le domaine social, mais aussi dans le cadre artistique. Donc, qui est un groupe qui a pas mal d'artistes slammeurs et d'autres poètes. Donc, je suis artiste rappeur, donc je pense que je peux servir le groupe. Donc, comme on peut dire que c'est une sorte de complémentarité entre ces deux. Donc, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure que le slam est la petite sœur du rap. Donc ils sont dans la même famille. Donc le rap et le slam, ça vont de pair. Ils vont de pair, donc en quelque sorte. Donc je peux apporter beaucoup plus d'opportunités au groupe 7A pour mieux leur faire écouter et entendre, ou bien leur faire une sorte de combinaison entre le slam et le rap. C'est ça en fait. Prophète. Le 14 février, c'est un peu un des tournants réellement du groupe 7A. Il s'est passé ce qu'on appelle un peu la bataille lyrique. Ben clip qui a fait sensation dans la toile. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Oui, bonjour Soleil. Et je me présente tout d'abord, c'est Mohamed Moustapha Diop. Et je suis le président de la cellule communication du collectif 7A. Étant assis dans un resto à la place pour discuter affaires, tout un groupe d'amis tombe sous le charme d'une femme plus que rayonnante, mes chers. D'une femme qui attire les hommes comme de l'acier et du fer. Bonsoir, très chers internautes. Je vous laisse découvrir ce qui est vraiment le coup de foudre. Je vous prie, mesdames, messieurs, de bien serrer vos écouteurs, afin que vous puissiez entendre ces mots qui perceront vos cœurs en douceur et qui vous charmeront peut-être. Je vous laisse apprécier cette bataille lyrique qui n'a qu'une seule vocation, décrocher le cœur de cette belle et mielleuse dame assise juste à côté. Donc, concernant la bataille lyrique, bien évidemment, c'est quelque chose qu'on a fait dans un contexte très difficile. Et je pense que lorsque ça a vu le jour, beaucoup de personnes ont pu apprécier. Mais derrière aussi cette vidéo, il y a eu un travail vraiment dur et un travail d'équipe. Parce qu'on l'a fait entre 2 heures de temps, on a tourné la vidéo. Et c'est quelque chose à saluer, c'est quelque chose que les spectateurs, les téléspectateurs de la Zamzam TV doivent découvrir. Je pense qu'avec l'aide de Zay, on a pu réaliser cette vidéo le 14 février. Vu qu'on est des artistes et qu'on œuvre dans l'art du slam, bien évidemment, on a écrit des textes en amour, on a regroupé des artistes, on a trouvé une belle et mielleuse dame comme on l'a bien écrit. On a slamé, on a fait une vidéo et on a rendu heureux en fait les Sénégalais ce jour du 14 février. Et d'ailleurs, il y a même Sénégal qui a repris nos vidéos. Ce que veut dire que le travail est en train vraiment d'être au bon port. C'est-à-dire qu'il y a une faille qui a été blindée. Oui, nous avons fait blindé le jour. Si nous avons fait blindé, nous avons fait. Ça, c'est un geste aussi pour nous maintenir vraiment. Nous avons réalisé. Donc, pour dire que nous avons fait ça, on œuvre dans l'art, mais aussi, si nous avons fait un domaine, je pense que le président a été. Donc, c'est ça en fait le team 7A et c'est ça le travail qu'on a pu faire. CSK, King Musée. On a vu de la poésie lyrique dans l'histoire, mais de la poésie essentiellement sentimentale et amoureuse, le rare là. Yo,
groupe, on fait du slam. Il y a beaucoup d'influence, il y a des rappeurs, des musiciens, ils font de tout. Mais yo, tu fais essentiellement de la poésie amoureuse, du slam amoureux. Est-ce que yo, tu te limites pas? Est-ce qu'à chaque fois quand tu vois quelqu'un faire de l'autre, tu te dis que j'aurais pu faire ça? Toi qui fais de la poésie amoureuse, est-ce que tu ne te brides pas réellement dans cette poésie-là? Avant tout, j'aimerais me présenter, c'est King Moussé alias Poète du Cœur. Ok. Il est clair dans le texte que l'amour sourit au cœur sincère, qu'une beauté idyllique n'a besoin guère de beaux parleurs, mais d'un beau parleur. Je sais gâter une dame, surtout quand j'ai sa flamme. Je suis l'âme pure qui répare les drames causés par une âme pure sans état d'âme. Madame, comment te décrire en un seul mot, belle? Tu es la plus belle de toutes les demoiselles que j'ai rencontrées sur ma passerelle. La plus belle de toutes les créatures tombées du ciel. Oui, tu es une beauté tombée du ciel, telle une fleur dans un océan de miel. Des yeux de gazelle qui scintillent comme des étincelles reluisent. Waouh, ce beau sourire au fond de tes lèvres, plus fraîche que l'hiver, embaume toute la pièce. Mes nerfs se déchaînent de tes petites joues qui embellissent ton sourire. Tu es une perle rare, un diamant rouge. Tu es un ange, muse de la tendresse. Si la beauté avait un royaume, tu serais la reine. Votre Altesse, le poète du cœur est désormais à vos services. Voilà, pour répondre à ta question, juste dans les ornées, l'origine boutard m'a bind. Pourquoi m'a bind? C'était juste. J'étais sorti d'une relation amoureuse qui m'a fait très mal. Et voilà, comme je l'ai dit toujours, Dieu m'a donné des mains pour consoler mon cœur. C'est juste ça, mon dame est bien. Voilà, moi, je n'ai pas de structure avant de parler, je suis poète là, mais pour faire plaisir aux autres, pour me faire plaisir, man, c'est mon dieu. Parce que man, quand je prends ma plume, fait plaisir. Voilà, c'est ça. Et les comprendre, moi, à chaque fois, par exemple, Amo envie binde lenen ludul sentimental comme peut-être l'engagement peut-être. Non, man je me suis dit que comme ça par exemple lolu motax may bind que man luma am luma metti mom dina ko bind en parlant des sentiments de mon fort intérieur quoi. Lamb, cette réflexion que j'ai fait à King Moussé Léguini, elle est aussi parlante pour toi. Yow da ngay def ben slam essentiellement mourid. Quand on parle de slam mourid, yow lañuy xalat en premier. Lutax lol? Pourquoi yow nga jël parti pris bob que yow slam mourid qu'est-ce que ngay def? Tu parles de Lamb, tu parles du Serigne Touba. Pourquoi ça? On jubila bismillah inna wali yalla. Jere jeufati Serigne Touba, jere jeufati Serigne Touba. Jaram Mam Cheikh Ibrahima Fall Lamb. Bon, le nom c'est Mam Cheikh Ibrahima Fall Faye, mais on me surnomme Bay Fall Noble. C'est mon nom d'artiste. Maï Siar Mbokh internet au Zamzam TV yop di rafetlu ci invitation bi. Bon, sa question c'est simple à répondre parce que soma gissé rek je suis naturellement Bayfal et je suis né Bayfal. Slam bi dafa fekk ci Bayfal bi donc day ñeu gungé ma rek pour me gëna xamel gaay kuy Serigne Touba Cheikhul Khadim. Lo tax ma jël sama écriture centré ko ci Serigne Touba et sa descendance. Merci. Jacob, la poésie est un art typiquement personnel. Des mouvements poétiques, on en a vu. Des groupes poétiques, on en a vu. Mais des collectifs poétiques, c'est rare. Est-ce que réellement, l'artiste qui est dans un collectif, est-ce qu'il n'est pas un peu esclave? Non, je ne peux pas dire qu'il est un peu esclave. C'est-à-dire que là, il est bien placé. C'est-à-dire que l'artiste va gagner des expériences. C'est-à-dire qu'il y a des différents types. Il y a des types de slammeurs qui sont là. C'est-à-dire que selon moi, j'ai fait du slam. C'est-à-dire du slam qui touche. C'est purement métaphysique, c'est-à-dire que quelque chose qui se cache derrière tout le monde, c'est-à-dire que chaque fois que j'essaie de donner des cotes à tout le monde, c'est-à-dire que je peux dire que c'est un atout d'être dans un groupe où tout le monde ne partage pas les mêmes paroles, c'est-à-dire qu'ils ne partagent pas les mêmes mots et moi, les mêmes pensées. Je ne peux pas employer le mot comme étant esclave d'un groupe, non. C'est-à-dire que c'est une liberté qui est là, que tout le monde partage, c'est-à-dire que tout le monde a le droit de défendre son art comme il le veut et comme l'essentiel, c'est que ça soit du slam. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est que ça se mêle avec l'émotion et c'est bon comme ça. Nous
ngeen def jam dina bari yaram wi sedagui santa nañu len ñen ñi nangotew fi bokk ak ñun bes bi. Bon, bonsoir. Je m'appelle Lydia et on m'appelle Lilita. Je suis musicienne. Alors, c'est la question que je pose tout le temps à mes invités dans cette émission. Aujourd'hui, je pense que ce sera un peu plus difficile de répondre à cette question-là. Comment est-ce qu'on peut définir l'art de 7A? Bon, tout d'abord, l'art de 7A, je peux le définir comme étant quelque chose de spécial et hors du commun. Parce que tout d'abord, nous, avant nous œuvrer dans l'art, on a été une famille, comme je l'ai dit tantôt. Mais nous, sous nos arts, je peux dire que c'est quelque chose que je ne vois pas dans les autres structures. Parce que Yamunius, par exemple, tu slams, qu'est-ce que c'est? Au 7A, il y a des rappeurs. Au 7A, il y a des slameurs, il y a des chanteuses, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Donc, nous, bari, nous savons qu'ils font la peinture. Ce qui veut dire que 7A, il faut boire ce que vous savez. Voilà, c'est un tableau en fait. C'est de l'art en général. Quelqu'un qui n'a pas ce potentiel, quelqu'un qui n'a pas ce domaine que vous savez, il faut que vous œuvrez. Et quand on parle de l'art, on parle de la musique, de la peinture, tout ça. Et dans 7A, il y a pas mal de gens qui vous savez, quelqu'un qui n'a pas ce que vous œuvrez. C'est la raison pour laquelle je définis l'art de 7A comme étant un art unique et un art très rare. Parce que de nos jours, vous avez un groupe qui groupe de musique, qu'est-ce que vous faites? Nous limitons. Qu'est-ce que vous faites cela? Nous ne pouvons pas accéder. Mais 7A, nous, notre art, elle est ouverte à tout le monde. Qui peinture, qui a maintenu des feuilles slamées, qui a maintenu des feuilles way. Donc nous, 7A, on est spécial. Et ça, j'ose le dire et j'ai la fierté de l'affirmer. Donc c'est ça, en fait, en quelque sorte, l'art de 7A. Un multipote, quoi. Multipote, voilà, multicolore, voilà, je peux dire. Merci, merci. Beb, ton père est-il le créateur de la Nintendo car tu as encore des DS? Je prends place pour te dire que tes yeux m'ont foudroyé en plein cœur. Ces yeux de cristal, le palace des rêves que l'on imagine sans parcimonie. À la vue de ton visage, baptisé comme le mariole de tes pensées, j'ai levé mon stylo pour t'écrire le texte de mes envies. Scarifié par le symbole d'hôte de tes nuits, cette plume s'élève pour être le feu de tes temps. Sous la sève hypnotisante de tes yeux, j'y récolte l'essence de mes voeux. Passé, sous le soleil létal à magnifier chacune de tes cambrures, pour que ton sourire efface chacune de mes souillures. Alors bluffante puisse être la lune, étoilée puisse être le ciel, aveuglante soit la beauté incandescente du soleil et ma vie ne tourne qu'autour de toi. Mes yeux ne regardent que toi, mes pensées ne convergent que vers toi. Donc je te laisse avec ces méditations pour revenir appréhender la suite de tes interrogations.